Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canamalac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment supprimer un dossier encombrant qui occupe beaucoup d'espace dans la carte interne de votre téléphone et le ralentit. Les détails juste après la pause. Alors, pour ce faire, premièrement, il faut avoir un explorateur de fichiers installé sur votre appareil. Ça veut dire une application comme, par exemple, OS Explorer. Le voilà, OS Explorer. Donc, on va ouvrir OS Explorer. On va venir sur les paramètres ici. Ici, il faut activer afficher les fichiers cachés. Puis, on va retourner, faire le stockage interne. Puis, on va toucher stockage interne. Puis, on va chercher le dossier TCM. On va donc toucher le dossier pour ouvrir et on a ici le dossier TimpNase, ça veut dire les miniatures, dossier des miniatures. Ce sont les miniatures des photos que vous avez pris avec votre appareil. Dès que vous prenez une photo, sa miniature s'ajoute dans ce dossier. Donc, et voilà combien il y a de miniatures. Ces miniatures n'ont aucun rôle, comme le cas des computers. Dès que vous allez donc prendre une photo, une de ces miniatures s'ajoute ici. Et par conséquent, ce dossier devient très pesant et il ralentit votre appareil. Donc, il faut le supprimer. Donc, on va cliquer lentement sur le dossier. Ici, on va cliquer sur plus. Et dans plus, on a bien sûr propriété. On va chercher propriété. Propriété. Et comme vous remarquez, voilà la taille de ce dossier et de 129,30 MB pour ma part. À titre d'indication, périodiquement, je vide, ça veut dire je supprime le contenu de ce dossier. Pour votre cas, si vous n'avez pas supprimé, donc vous n'avez pas vidé ce dossier, vous allez trouver donc plus. Puis, vous allez bien sûr toucher ici supprimer. Confirmer avec OK. Le dossier a été bel et bien supprimé. Donc, on a augmenté l'espace de stockage de la carte interne de notre téléphone en supprimant les miniatures des photos qui ne servent à rien. Donc, je vous conseille de supprimer ce dossier afin d'augmenter les performances de votre téléphone et avoir plus d'espace de stockage pour installer d'autres applications, enregistrer des vidéos et prendre des photos sans avoir le message espace de stockage insuffisant. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.